Yes, Sergeant était en effet annoncé, Freddy, comme le grand favori de ce contre-la-montre et il n'a pas fait mentir les pronostics. Le jeune néo-zélandais de 23 ans, médaille de bronze des JO de Pékin en poursuite par équipe, deux fois médaille d'argent au championnat du monde de poursuite individuelle, a fait parler sa puissance. Il remporte ce contre-la-montre en 25 minutes 9 secondes. Il endosse le maillot blanc de leader et devrait remporter ce 25e TPC car l'équipe Radio Shack réalise le doublé. Sergeant devance son coéquipier, le polonais Michal Kwiatkowski, âgé de 21 ans, de 18 secondes. Le français Jean-Christophe Perrault, 10e du dernier Tour de France, réussit lui à décrocher la 3e place avec 36 secondes de retard sur le vainqueur, mais c'est bien la victoire qu'il était pourtant venu chercher en décidant de participer à ce 25e TPC. Le français a tout de même dû se battre pour décrocher le podium. Il ne devance que d'une seconde le britannique Alex Dossett, 4e, et de 3 secondes le suisse Martin Helmiger de la formation AG2R. La course était vraiment très difficile avec des bosses, des descentes, mais c'était vraiment une très très bonne course, la distance idéale pour moi. Demain ce sera très difficile pour conserver ce maillot blanc, mais heureusement j'ai une super équipe et on va tout faire pour y arriver. And good directors and the people around me are very good, so yeah, we'll see you tomorrow.